La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. L'influence des jeux vidéo sur les enfants. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. La mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Salut, c'est Adrien sur NS Radio. Retrouvez-moi tous les dimanches en quinzaine dans Full Geek, votre émission 100% geek. Et devinez quoi ? Ça commence maintenant. Round 1, fight ! Messieurs, dames, bien le bonjour. On se retrouve après un petit moment d'absence et pour rattraper cela, on vous a concocté une émission un peu spéciale. Si vous n'êtes pas encore passé à la next-gen et que vous savez pas vers quelle console vous dirigez ou si votre choix est déjà fait depuis un moment et que vous avez enfin votre petit bijou technologique dans votre salon, écoutez quand même, on n'est pas à l'abri d'un prochain petit achat. Aujourd'hui, on est avec Canaille qui a pu voyager dans le monde magique des jeans. Bonjour Canaille. Bonjour Adrien. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va. Ça va, on s'est bien reposé ? Oui, ça a été, ouais. Bon, on a pu regarder des films. Oui, aussi. Notamment un. Oui. C'est ça ? On va attendre, on va savoir. Bah ouais. Voilà. Alors au sommaire de ce dimanche, Xbox et PS, le dilemme. On va tout vous dire sur les avantages et les inconvénients des deux consoles. Le film 3000 ans à t'attendre, la belle découverte signée George Miller, hein, qui était à l'origine de Mad Max, le 3 2023, la fausse remontada, et s'il nous reste un peu de temps, on parlera de la désastreuse saison finale de Carnival Row, série exclusive d'Amazon Prime, et pour laquelle on a eu une petite déception. Alors tout de suite, un petit peu de musique avec The Fool, le dernier single de Jane, un grand retour après 4 ans d'absence. L'album nommé The Fool sortira ce 21 avril prochain et une tournée s'en suivra bien évidemment. Alors on écoute The Fool de Jane tout de suite maintenant et je vous laisse profiter dans vos petites oreilles. Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun up the dark.
À l'instant, c'était Jane et son dernier single. Perso, j'ai hâte d'écouter son dernier album qui sort, je le rappelle, le 21 avril prochain, qui se nommera The Fool. Donc disponible, j'imagine, sur toutes les plateformes de streaming et sur... Déjà depuis un moment. The Fool. Alors, The Fool, c'est le nom du titre, mais ça va être également le nom de l'album qui sort le 21 avril prochain. Allez, on enchaîne car maintenant que la pénurie de consoles se fait de moins en moins ressentir, la vente de consoles repart en flèche ces derniers mois. Depuis même un petit peu fin d'année 2022. Vous allez franchir sûrement le cap et jeter votre dévolu sur l'une ou l'autre des consoles de nouvelle génération. Mais avant ça, écoutez bien ce qui va suivre. Avant tout, les deux consoles sont au même prix. Les deux constructeurs proposent des versions différentes. Alors deux, pour être plus exact, de consoles différentes. Pour PlayStation, vous avez le choix entre la PlayStation classique avec le lecteur de disque au prix de 499,99€, pour ne pas dire 500€, et la PlayStation digitale, donc sans lecteur de disque, au prix de 399,99€. Pour Xbox, vous avez le même principe, une console normale avec lecteur de disque et une autre sans, mais à la différence est que celle en digital, donc la moins chère, se retrouvera moins puissante que la classique, ce qui n'est pas le cas des deux PS5 qui ont exactement la même puissance. Tout cela pour le même prix à peu près, hein, on est le même prix, la même performance, en tout cas pour les premières, c'est-à-dire celles à 500€. Mais si on choisit une console plutôt qu'une autre, c'est généralement pour ses jeux, et là ou pour la dernière génération de Xbox, c'est là où le bât blesse, c'est bien la proposition d'exclusivité. Et pour ce prochain match, Xbox a bien décidé de changer la donne. On l'a bien vu ces dernières années avec le nombre de rachats qu'ils ont fait, et pas des petits. D'accord. Bethesda. Il y a 2-3 ans, on a eu Bethesda pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. À l'époque, c'est ce qui s'est chiffré en plus haut en termes de rachat. Et puis le dernier en date qui m'a tout l'air de s'approcher, en tout cas de la concrétisation, avec, j'imagine, l'aval des diverses autorités de la concurrence, donc notamment celle d'Angleterre qui pose un peu problème, eh ben on parle bien évidemment du rachat d'Activision Blizzard. Le dernier rachat est assez faramineux car s'ils réussissent à boucler l'affaire, c'est tous les prochains Call of Duty qui se verront sur Xbox. Alors on parle de Call of Duty parce que c'est Activision Blizzard, mais on peut parler de Diablo, de Warcraft, d'Overwatch, toutes les licences finalement de Blizzard. Alors pour Warcraft, on va bien évidemment parler de jeux sur PC, donc là ça impactera uniquement les jeux du Game Pass PC. Donc pour Call of Duty, effectivement, hein, ce sera une exclusivité Microsoft, mais point de panique, normalement le jeu sera disponible aussi sur la PS5, à la petite différence que cette fois-ci, sur PS, il faudra le payer. Et oui, car la seconde force de Xbox, c'est son catalogue de jeux appelé le Game Pass. Le Game Pass, c'est la promesse d'un catalogue de plus de 100 jeux sur PC et console et cloud. Alors le cloud, hein, c'est le nuage, ce qui permet de jouer sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre télé, in fine, bien évidemment. Sans avoir effectivement la puissance de la machine, parce que c'est un peu le Netflix du jeu vidéo. Et bien évidemment, toutes les exclusivités Xbox se verront dès leur sortie ajoutées au catalogue de jeux vidéo. Pour le moment, le Game Pass manque cruellement de AAA, mais ça devrait se décanter cette année, du moins on l'espère. C'est-à-dire avec l'arrivée de Starfield qui appartient à la base à Bethesda, et Bethesda s'est fait racheter par Microsoft. Du côté de PS, disons le franc jeu, clairement. Les exclusivités de qualité, c'est leur point fort avec des jeux tels que The Last of Us, God of War, Spider-Man et bien d'autres encore. Tous ces jeux, c'est des gros AAA solo narratifs qui, disons-le, sont un pur bonheur autant visuel que narratif et de gameplay. Regardons de plus près les jeux sortis exclus, bien évidemment, depuis la sortie des deux consoles sur PlayStation 5 et Xbox. Alors sur PS5, nous avons Spider-Man Miles Morales, qui est plus un standalone qu'un jeu à part entière, hein, c'est-à-dire qu'il se raccroche au Spider-Man premier du nom sorti sur PS4. Returnal,
un jeu pour lequel il faut avoir les nerfs bien accrochés. Ratchet & Clank Rift Port, Rift Part, avec un My English Very Well. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, et le remake, bien évidemment, de The Last of Us Part 1, qui s'en est suivi d'une série de la part de HBO. Sur Xbox, on a Halo, qui a eu un succès plus que mitigé, Forza, qui était, ma foi, fort sympathique, mais encore faut-il aimer les jeux de voiture, et Scorn, qui était... Bah pour le coup, je le mets dedans parce que bah genre ouais, il était sympa. Hein. Il était sympa, mais c'est pas un triple A. Hein, non, bah ça va être un double A. Sur un double A. Le 6 juin, donc on le disait précédemment, va sortir le jeu Starfield qui s'annonce être une vraie pépite. Un Skyrim dans l'espace pour les grossir, clairement, pour grossir un peu l'information. Mais pour le moment, j'ai la Xbox. Et que dire que si je m'en sers uniquement pour louer des films. Donc généralement quand je dois acheter des jeux comme Hogwarts Legacy qui est sorti tout récemment, je le prends sur ma PS5 car elle a un petit truc en plus. Ça pourrait paraître gadget mais ça apporte réellement un petit plus dans l'immersion. Je parle bien évidemment des retours haptiques des gâchettes manettes DualSense de la PS. Les gâchettes adaptatives comme disait Canaille et la technologie des manettes PS en général ont fait un gap en avant. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu limite, ce sont des avant-gardistes en termes de manette. Une fois qu'on y a goûté, on peine généralement à revenir en arrière. Même le petit micro intégré est super bien utilisé dans les jeux. Ça donne une résonance pour le métal, pour les différentes matières que l'on touche. Et sur les applis comme YouTube, c'est juste à dire la manette... Voilà, on dit à la manette vidéo de chien ou moi je regarde souvent Julien Chiez. Hop, Julien Chiez, paf, ça te tape Julien Chiez sans même avoir à taper sur le petit écran qui est extrêmement ennuyant à la base. Et là, c'est type, c'est top, c'est formidable. Mais apparemment, il y aurait Xbox qui travaille sur une nouvelle manette. Bah, bien aussi. Évidemment, parce que je pense que, in fine, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, comme les vibrations sur la manette à l'époque, ça avait été un peu traité de has-been, ça tiendra pas la route, etc. Puis finalement, les vibrations des manettes, c'est resté comme le joystick. Consoles, hein. Comme le joystick. Et là, en l'occurrence, on a affaire à une technologie de retour haptique avec les gâchettes adaptatives. C'est formidable. C'est-à-dire que vraiment, hein, moi maintenant, j'achète les jeux éditeurs tiers. Alors, je m'étais dit, les jeux éditeurs tiers, dans tous les cas, je les achèterai sur PS5. Mais là, ça me renforce dans l'idée d'acheter sur PS parce qu'on a cette technologie supplémentaire qui renforce l'immersion de l'histoire. Voilà. Le petit plus d'Xbox, c'est son offre commerciale. C'est-à-dire que pour la PS, vous voulez une PS5, bah vous achetez directement 500 ou 400 euros la console. Tout dépend si cela est en digital ou en offre basique avec le lecteur des disques. Il n'a pas toujours été facile de s'offrir une console s'il faut débourser une telle somme, c'est sûr. Et puis Xbox ont eu l'intelligence de proposer quelque chose d'innovant. Car au lieu de débourser tout de suite 500 euros, vous pouvez bénéficier du All Access. Alors le All Access, c'est quoi? C'est la possibilité de s'offrir la console avec une manette, le catalogue du Game Pass sur PC, console et cloud, toujours, pour la modique somme de 34,99€ par mois pendant 2 ans. Et au-delà des 2 ans, le prix descend à uniquement 12,99€. Ce qui fait que bah finalement, au bout des 2 ans, vous gardez votre console et puis vous gardez le Game Pass. Alors si vous voulez ne plus avoir d'abonnement tout court, et bah, vous supprimez le Game Pass et puis bah, la console est à vous sans aucun frais supplémentaire. Alors perso, j'ai pris les deux consoles. La PS5 pour ses exclusivités, on est quand même sur des gros chefs-d'œuvre et j'ai pu profiter du All Access et je pense que bah, j'ai bien fait, juste pour profiter de Starfield qui sort le 6 septembre prochain, il me semble, et de Fable qui sortira parce que, un jour. Voilà, qui sortira un jour, on espère 2024-2025 parce qu'il a été annoncé en 2018-2019, si je ne m'abuse, ouais. Lors de la dernière édition de l'E3. Mais pour le moment, pas de nouvelles. Bah pour le moment, pas trop de nouvelles. J'espère en avoir un petit peu cette année pour la Summer Game Fest. On en reviendra un petit peu plus tard de la Summer Game Fest. Et donc là, pour le moment, j'ai une Xbox qui me sert à louer des films, mais je sais qu'elle va être amortie dans quelques mois. Après, si on s'ennuie un peu, il y a toujours une multitude de jeux à jouer sur le Game Pass. C'est ça. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les deux critères, les deux caractéristiques des deux consoles, et j'espère que vous pourrez faire votre choix ou comme moi finir par prendre les deux pour profiter pleinement de cette génération et de tous les jeux qui puissent sortir. Petite pause musicale maintenant avec Friday de Grammatic, des bonnes vibes pour un bon dimanche et puis on écoute tout de suite.
à l'instant, c'était Grammatique et leur titre The Friday. C'était cool, moi j'ai l'impression que ça apporte un petit peu de soleil dans ce temps grisâtre qu'est le Berry. On enchaîne avec des contes des mille et une nuits, puisque Canaille va nous présenter un film fort sympathique qu'on a pu regarder ensemble en petit comité. Canaille, on t'écoute. Oui, parce que pour ce numéro de Full Geek, je vais vous proposer un aperçu d'un film sorti il y a un peu moins d'un an, mais qui m'a toujours tapé dans l'œil, mais sans vraiment oser franchir le cap. Je vais vous parler de 3000 ans à t'attendre, film réalisé et écrit par George Miller. Alors George Miller, c'est le papa de la franchise Mad Max. Et oui, rien que ça. Mais aussi d'un assez vieux film, Babe, le petit cochon des villes. Oui, ça t'a marqué. Pourquoi tu dis le petit cochon débile ou non, des villes. Ah oui, parce qu'il n'était pas débile, Babe. Oh, ça reste un cochon après. Hein. Quand même. Mais tout de suite, je vous laisse découvrir la bande-annonce et on en reparle après. Allez, on écoute. Je m'appelle Alethea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parents. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir. Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire intéressante. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? J'aurais une question. Que peut-on faire avec 3 vœux? Vous verrez. Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde. Nous avons tous des désirs, même s'ils ne nous apparaissent pas clairement. Mais c'est votre histoire et j'ai hâte de voir où elle mène. Ou voir comment elle pourrait finir. Bonsoir. Bonsoir. Il va rester un moment. Je commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça! Faites votre vœu! Sauvez votre vie! Ça y est, j'ai un vœu. Alors, dis-nous tout, petite canaille. Sorti le 24 août dernier, 3000 ans à t'attendre, nous raconte l'histoire d'Alethea, jouée par Tilda Swinton, narratologue britannique, qui dans un bazar d'Istanbul tombe sur une flax refermant un djinn, joué par Idris Elba, sorte de génie de la culture musulmane. Par accident, Alethea libère le djinn qui lui demande 3 vœux à exaucer. Étudiant les mythes et légendes du monde entier, Alethea sait très bien qu'une telle demande cache toujours une contrepartie. Elle décide de n'en faire aucun. Ensuite, une longue plaidoirie du djinn pour convaincre Alethea de faire ses vœux. On traversera mille et une aventures du génie qui nous aidera à comprendre ses motivations et sa volonté de se libérer de ce flacon par l'aide d'Alethea. George Miller qualifie son film comme une romance épique en cinématoscope. Procédé de prise de vue lors du tournage qui permet en fin de compte de la compresser lorsqu'on tourne et la décompresser lors de la projection au cinéma, ce qui rend un effet panoramique de la scène. Donc c'est toujours un plus lorsque on voit ce genre de rendu. De la Reine de Saba à Soliman le Magnifique, les aventures épiques du djinn nous transportent vers une dernière demi-heure en demi-teinte. Car après avoir voyagé avec le djinn, nous retrouvons la vie réelle dans un Londres pluvieux, dans une réalité bien plus triste et qui,
bien plus triste et qui se clôture par une romance assez banale. Voilà ma demi-teinte sur ce film. En revanche, je vous le conseille entièrement, du début jusqu'à la fin, car malgré cette contrariété, il m'a suffisamment plu pour vous en parler aujourd'hui. Le duo de Tilda Swinton et d'Idris Elba marche super bien. Leur complicité et ses huis clos dans la chambre d'hôtel nous attachent au personnage pour une fin qui, je le pense, plaira au plus grand nombre. Pour conclure, je dirais que, sans rien attendre de particulier, 3000 ans à t'attendre a réussi à surprendre à certains moments. Et je pense que tu partages le même avis. Alors, oui. Alors moi, pareil, je l'ai vu, on a fait une petite soirée ciné avec Canaille, mon frère et tout le tintouin. J'irai au-delà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, 3000 ans à t'attendre, c'est un voyage. C'est-à-dire que c'est plus... Moi, je m'attendais à une histoire avec Alitea, mais finalement, Alitea est un peu dans la même position que nous, dans le sens où on écoute l'histoire, où on vit l'histoire, les histoires que qu'Idris Elba, alors le djinn, va nous conter durant toute sa vie. Alors, effectivement, il y a avec Solomon, avec plein d'histoires... La reine de Saba, plein de personnages finalement... légendaire, un peu classique de l'histoire du monde. Et puis finalement, c'est un peu revisité pour que ça colle à l'histoire. J'ai trouvé ça très bien fait. Un petit peu longué. Effectivement, c'est-à-dire qu'on est sur 2h30 de film. C'est-à-dire que la fin aurait pu être raccourcie un petit peu pour... pour moins s'endormir, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, on est sur une histoire de romance. Alors, il y a une histoire, il y a une sorte de conclusion, de morale, si vous préférez, à cette histoire, qui dit que l'amour ne se contrôle pas et que, voilà, je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas spoiler la fin du film, mais tout le long du film, on est transporté dans les contes des Mille et Une Nuits, puis retransformé, retranscrit, puis on s'attend réadapté, effectivement. On s'attend au vœu aussi, donc... On s'attend au vœu, et puis le vœu final, je trouve, dans l'histoire, est finalement très bien adapté, enfin pas le vœu final mais le vœu avant le final, et puis je pense qu'il passe un peu trop de temps dessus, mais en même temps il fallait s'en douter finalement, je pense, et puis le vœu final finalement clôt l'histoire. Après, George Miller dans tous ses films, il aime bien raconter de belles histoires, et c'est ça, je pense qu'il faut regarder ce film pour se dire qu'il, voilà, on va nous conter les histoires d'un génie, d'un djinn, précisément. Pourquoi il est enfermé? Maintenant, il a fallu clore l'histoire par l'histoire. C'est-à-dire que... Non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une grande histoire entre Alitea et le djinn, mais il faut s'attendre finalement à se poser pendant 2h30, à écouter et à voir, c'est ça aussi la puissance du film, et à voir les histoires de finalement 3000 ans de vie d'un djinn qui a été enfermé... Libéré, réenfermé, pendant plus de 3000 ans. Voilà. Donc c'était un film, moi, qui m'a... Mais très sympa à regarder. Oui, hein. C'est ça, très sympathique, que je regarderai peut-être pas deux fois, mais... On se plonge bien dedans, voilà. Voilà, seul défaut, je pense, c'est la longueur du film qui, je pense, aurait pu être raccourcie de quelques dizaines de minutes, voire une demi-heure. En supprimant la dernière demi-heure. Voilà, ça n'aurait pas été de trop. Donc, un film disponible. Bien sûr, sur toutes les plateformes de VOD. Voilà, toutes les plateformes de VOD. Donc là, vous pouvez aller sur Xbox, Amazon, Canal... et plein et d'autres. YouTube, hein. J'imagine. Et YouTube, oui, YouTube. Voilà. Donc, allez-y, foncez. Ça vous permettra finalement de passer une bonne soirée et puis de vous endormir serein. Voilà. Tout de suite, finalement, on écoute un petit peu de musique parce que tu n'as plus rien à dire, je pense. Non, voilà. On a conclu. Et donc, j'ai comme une envie de faire un bond dans les années 90 en écoutant The Offspring. Tout le monde connaît The Offspring, j'imagine, je l'espère. Avec Why Don't You Get a Job? Why Don't You Get a Job? Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Parce que t'as un mot à rien. Voilà, ou pourquoi pas, on ne sait pas. on écoute tout de suite The Offspring, à tout de suite.
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way ya, no way. Now, now, why don't you get a job? I guess all his money, well, it isn't enough to keep a bill collectors at bay. I guess all his money, well, it isn't enough, 'cause that girl's got expensive taste. I won't pay, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Well, I guess it ain't easy doing nothing at all. Oh, yeah. But hey, man, free rides just don't come along every day. I've been thinking about my other friend now. My friend's got a boyfriend and she hates that dick. She tells me every day. He wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way, say no way ya, no way. Now, now, why don't you get a job? I won't give you no money. À l'instant dans vos oreilles, c'était The Offspring. Why don't you get a job? Pourquoi tu ne trouves pas du travail? Dis-moi, canaille. Ah bah je sais pas. Bah voilà. Bouge tes fesses. Travail. Bouge tes fesses. Très bien. Allez, on enchaîne avec le 3 2023 ou ce qui aurait pu être le 3 2023, la renaissance du grand salon qui fut jadis l'événement le plus attendu des gamers. Tous étaient réunis, journalistes, constructeurs, développeurs et même éditeurs, pour afin de nous présenter les prochains jeux et les prochaines consoles. Tout cela sous le grand soleil de Californie. Mais voilà, le Covid vint à passer par là en 2019 et mit en pause ce grand événement. En revanche, bah, tous les acteurs de l'industrie du jeu vidéo ont continué à travailler et il fallut trouver un moyen de communiquer. Et c'est là que le grand Geoff Keighley est entré en scène et proposa un événement pour majorité en digital, avec bien évidemment beaucoup moins coûteux parce que c'est en digital, plus besoin de louer les stands, le grand palais des conférences à Californie, etc., qui coûte quelques menus monnaies. Donc depuis maintenant 3 ans, la méthode de communication des divers constructeurs et créateurs se fait maintenant à coup de conférences digitales. Ça coûte rien et on le fait quand on veut, chacun de leur côté, tout au long de l'année, mais la Summer Game Fest a réussi un coup de génie en concentrant une partie des annonces durant l'été. Ce qui reste quand même un grand temps fort de l'année en termes de jeux vidéo. Voilà donc maintenant 3 ans que le 3 ne se tient plus cette année. Et cette année devait être le grand retour. Alors, il y a eu, je fais une aparté, une petite année en 2021 où l'E3 a tenté son comeback qui avait fait un gros bide. Clairement. Oui, non. Alors, je sais même pas si tu te souviens, toi, canaille. L'émission 2021 avait été une édition un peu catastrophique, un petit peu. Non, et puis c'était la première année où Geoff Keighley avait fait la Summer Game Fest, la Gamescom. La grande concurrence, effectivement. Donc, l'édition 2023 avait été annoncée l'année dernière avec une volonté de la part des organisateurs de présenter un E3 modifié
avec finalement l'ère du temps et l'ère de communication qui avait fait s'instaurer le Covid. On apprenait le mois dernier que finalement PlayStation ne prenait pas part à l'événement. On apprenait ensuite qu'Xbox tiendrait une conférence à part, en extérieur et pas au sein de l'E3. Donc, finalement, c'était soutenu sans être soutenu, hein, on se mouille sans se tremper. Et on apprend la semaine dernière, je crois, il me semble que Ubisoft ne ferait pas partie de la fête non plus. Alors pour apprendre, il y a 2 jours seulement, que le 3 2023 était tout bonnement annulé par manque de soutien. Du pain béni pour Geoff Keighley, qui tu l'as cité tout à l'heure. Un début d'été, Summer Game Fest. C'est ça. Fin d'été, Gamescom. Voilà. Donc, bon, la Gamescom, c'est allemand. Hein. Ah oui, mais la Gamescom, voilà. Effectivement, ils ont. Il y a l'Opening Night Live. C'est-à-dire que du moment où l'E3 a décidé. Enfin, c'est-à-dire, ils n'ont pas décidé. Ils ont ça a commencé avant. Ils ont subi. Ils ont subi le Covid. Geoff Keighley est arrivé en 2020 avec l'idée de faire la Summer Game Fest, donc une sorte d'E3, comme il se passait depuis plus de 15 ans, mais totalement en digital, où finalement ça durait tout l'été, là où finalement l'E3 se tenait que sur le mois de juin. C'est-à-dire et que, sur 3 jours. Et sur 3 jours. C'est-à-dire que pour les constructeurs, ils avaient. Constructeurs, développeurs et éditeurs, ils avaient jusqu'à finalement l'E3 de l'année. Fin mai, en fin de compte, pour. C'est-à-dire pour annoncer leur prochain jeu, leur prochain DLC et machine. 3 jours, ça fait just. Tandis que la Summer Game Fest. Et puis alors, 3 jours où il faut tenir un stand, il faut louer le stand, il faut louer la salle pour la conférence, etc. Et là où Geoff Keighley leur propose une Summer Game Fest, une sorte d'E3 en digital où ça se passe nulle part parce que ça se passe chacun chez soi, mais finalement là où tout à chacun a la possibilité de faire une conférence en live. Sur Twitch ou sur YouTube. Le Twitch de Summer Game Fest. Et donc ça coûte beaucoup moins aux constructeurs, aux éditeurs et développeurs. Et puis finalement ils ont beaucoup plus de place. C'est-à-dire que là ça se passe de fin mai à jusqu'à fin août. Donc ils ont beaucoup plus de place dans leur calendrier pour annoncer les jeux ou oui, sans être bloqués par un calendrier. Exactement, qui leur souhaite. Donc finalement, ouais. Geoff Keighley, quand il a vu que le 3 était annulé, il n'a pas attendu 5 minutes pour tacler. Pour tacler, c'est-à-dire que depuis le compte de la Summer Game Fest, il a taclé avec un petit c'est un petit sourire un peu sarcastique, nous on est là. Et puis pour ensuite rajouter une couche sur son compte perso, en ajoutant un message comme quoi que la Summer Game Fest serait bien là cette année. Donc une guerre un petit peu entre E3, finalement E3 légendaire qui est là depuis quand même les années 2000, et puis la Summer Game Fest qui essaye de piquer la place à l'E3. Est-ce que l'E3 reviendra-t-il un jour? Perso, je ne pense pas. Je pense que peut-être pas dans la forme qu'on l'a connue. Et la forme qu'on l'a connue, finalement, on la tiendra plus. Non mais surtout les grands reproches de tout le monde sur l'E3, c'est que ça coûte trop cher aux constructeurs, exactement, à tous ceux qui sont présents. Donc c'est là où finalement Geoff Keighley a été extrêmement intelligent et a proposé un E3 digital, donc qu'il a appelé la Summer Game Fest avec le journal IGN américain. Et donc ça fonctionne du feu de Dieu. Maintenant, si l'E3 essaie de revenir avec un événement digital, il faut que ça soit gratuit. Non mais la place est déjà prise. Oui, mais après reste à passer des deals, mais. Ah non, perso, je ne pense pas. Déjà, PlayStation, avant que le Covid fasse effet boomerang sur le 3, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il faisait plus place. Non, maintenant, oui. Je pense qu'on a pris des habitudes de communication, finalement, qui coûtent moins cher. Et puis, la Game Awards, ça faisait déjà un moment. C'était pas avec autant d'ampleur à l'époque de l'E3. Avec autant d'ampleur, mais on le rappelle, c'est avec qui? Geoff Keighley. Avec Geoff Keighley. Geoff Keighley a pris, sans vouloir me mouiller, une place prépondérante dans la communication entre éditeurs, constructeurs et journalistes. Et maintenant, pour le jarter, pour que l'E3 reprenne sa place, je pense qu'il va falloir faire très fort. Très très fort. Allez, petite pause musicale avec First Aid Kit, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire en anglais trousse de premier secours. C'est un groupe de 2 sœurs suédoises qui font de la folk. Et on va écouter de soi tout de suite avec Emilou, que j'ai écouté dans la semaine et que j'apprécie énormément. Ça détend, c'est un dimanche. Allez, welcome to the Texas. Thank you.
À l'instant, c'était First Aid Kit et leur titre Emilou, voilà, de la folk suédoise. J'espère que ça vous a plu. Nous, ça détend bien comme, oui, le dimanche. Allez, il nous reste bien assez de temps pour parler de la tragédie qu'est cette série Carnival Row. Sortie en 2019, la première saison mettait en lumière Vignette, une jeune fée jouée par Cara Delevingne, et Philostrate. De la vigne. De la... Non, c'est moi, j'ai vu Delevingne, I-N-G-E, monsieur. Moi aussi, j'ai toujours dit de la vigne, mais finalement, il semblerait que ce ne soit pas une ivrogne. Philostrate, un jeune policier joué par Orlando Bloom. Là, je ne fais pas d'erreur, Orlando Bloom. On le connaît en tant que Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je passe dans un monde où créatures magiques et humains vivent ensemble et où la haine de l'autre va bon train. On assiste alors à la guerre entre humains pour acquérir les terres natales des créatures magiques et les créatures magiques qui se retrouvent sans terre, concentrées dans un quartier du Burg. Alors le Burg, c'est la capitale, c'est-à-dire de l'espèce la moins cruelle humaine. Et donc Carnival Row étant le quartier dit où sont concentrées toutes les bêtes. Toutes, quoi, les bêtes, alors les fées, les Creech, etc. L'histoire rappelle les horreurs de la Seconde Guerre mondiale à tel point que je pense que le showrunner ne s'en cache même pas, tellement c'est gros. Mais oui, pourquoi pas, je trouve que ça marchait plutôt bien durant la première saison. Après, je trouve que c'est... Ouais, c'est Ah, voilà, on va y venir après. Donc on va suivre l'enquête policière de Philo, donc dit Philostrate, le policier, se mêlant à Vignette pour enfin élargir le scénario à la situation géopolitique du monde que la série nous a dépeint durant toute cette première saison. Je dois dire que la première saison m'avait plutôt bien plu, elle était originale dans son ensemble, on attendait impatiemment la suite. Quand 2019, 2020, 2021, 2022, quand j'ai presque oublié que cette série avait existé, quand je vois passer sur les réseaux, il y a quelques mois, que la saison 2 arrivait bientôt. Mais quelle surprise ! Lorsque j'apprends en même temps que cette seconde saison serait finalement la dernière. Alors me voilà fin prêt pour visionner cette seconde saison. L'heure, la diffusion est arrivée. Je lance le premier épisode, le second, puis le troisième, et je sens un sentiment de partage.
Je continue, je regarde le quatrième, le cinquième, le sixième épisode, et puis finalement je termine la saison, et on sent de plus en plus le manque de moyens, le manque d'inspiration, et cette volonté de clore rapidement toutes ces intrigues que la première saison nous avait ouvertes, mais également toutes celles que la seconde, qui n'étaient pas ouvertes durant la première et qu'ils ont ouvert pour la seconde saison, comme si finalement on aurait pu faire deux saisons supplémentaires, mais si on avait bâclé les intrigues intéressantes. Donc adios un peu les situations géopolitiques entre le beurre, la Russie, enfin ce qui nous présentait comme la Russie, et puis bah, finalement les créatures magiques. Je sais pas, moi j'ai eu cette impression de bâcler, de même les scénarios, c'est-à-dire qu'on. La saison 2 elle aurait pu être faite en 3 ou une ou deux saisons, je pense. Bah, c'est-à-dire qu'on avait une première saison qui était prometteuse, on nous a ouvert plein d'intrigues. Cette deuxième saison, finalement, on nous ouvre encore 2-3 intrigues pour les clore, finalement, 2-3 épisodes plus tard. Et puis alors, d'une manière très radicale, si je puis dire. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails, mais radical, c'était du rapide, ouais. Un peu rapide, et puis parfois un peu bâclé. Alors, le pire fut quand même celui... Enfin, le mot de la fin, qui se clôture par Orlando Bloom. Il va bien falloir le savoir. Ah oui. On a vraiment l'impression limite que c'est tourné à la dérision, tellement c'est d'une nullité. Non, mais dans la série au global, la saison 1 et la saison 2, il manque cruellement d'écriture. Ah bah, c'est-à-dire que que les dialogues sont pas trop recherchés, c'est un peu du cliché ou. Alors les dialogues, au-delà des dialogues, enfin. Hein, le mot final de Philo. Ah oui, le mot final, c'est-à-dire c'est vraiment. On sait très bien qu'il y a pas de saison qui arrive après que la série se termine, et vous auriez pu faire une autre phrase que celle-là. C'est ce qui clôture totalement la fin de l'histoire finalement. C'est et toi Philo, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il va falloir qu'on trouve. Voilà, fin. Alors, moi, je me suis un peu penché. Comment cela est-ce possible? Comment on peut bâcler une telle fin de série? Comment on peut en arriver là? Donc, j'ai regardé un petit peu et tout s'explique. Bah, la raison est simple. Amazon souhaitait simplement mettre fin à la série parce que bah, il n'y avait pas assez d'engouement. Et au lieu de reprendre le même showrunner que la première saison qui était Mark Guggenheim, il a filé le boulot, enfin Amazon ont filé le boulot à Eric Olson qui était derrière la série Daredevil. Bon, bah, à un moment donné c'est pareil, c'est-à-dire que Daredevil, tout le monde, peut-être que tout le monde connaît, d'autres ne connaissent pas, mais finalement c'est une série DCEU, donc finalement une série DC, un peu à la Batman, etc., sans moyens. Donc, première déception venant d'Amazon, j'espère que ça ne deviendra pas une habitude, parce qu'on a eu le cas avec Netflix où finalement ils ont mis fin à des séries qui auraient pu être prometteuses, mais finalement pas assez. Mais vaut mieux une fin de série nette et franche ou une deuxième saison bâclée? Généralement, une fin de série nette et franche, ça se passe par une deuxième saison, et autant mettre du qualitatif. Bah non. Bah si, je suis désolé. On avait eu... The OA. Bah The OA, on avait une première saison qui était nette et franche, qui était qualitative, et puis ils ont fait la même connerie Netflix, et bah hop, on bâcle, et puis bah on arrête, et puis finalement on donne une fin qui est extrêmement décevante. Non mais... Maintenant, il faut savoir que bah, pourquoi Netflix, ils font des chutes en termes d'audience, en termes d'abonnés, etc. C'est parce qu'ils font ce genre de conneries-là. Amazon, s'ils en viennent à faire ça... Ouais, mais ils le font très rarement. Ils le font très rarement. Alors, on a eu le cas de The Hunter, qui était l'histoire d'un groupuscule juif après la Seconde Guerre mondiale. Non, mais The Hunter, 70. C'est que l'histoire était terminée. Effectivement, ils ont fait simplement deux saisons. Alors, l'une était sortie, la première était sortie peu de temps avant la première saison de Carnival Row, donc en 2019, si je présume. Et puis, la seconde saison, finalement, clôturait bien. Alors, moi, je suis pas adepte de faire des saisons et de tirer sur la corde narrative, histoire de dire, allez, on tire, ça va nous durer 8-9 saisons, je suis pas adepte. Pour Hunter, ils ont fait de l'extrêmement bon boulot. Il y a eu que deux saisons, mais les deux saisons sont clôturées, l'histoire est clôturée de manière correcte. Et puis même plus que correcte, si j'ai envie de dire. Mais Carnival Row, on sent tout de suite, et c'est ça hein, que je reproche, hein, c'est qu'on sent le changement de direction. On sent trop le changement de showrunner. On avait un premier showrunner qui avait envie, j'imagine, de faire cette série. Mais la première saison prenait son temps déjà, pour c'est expliquer. Ça. Et puis la deuxième saison, finalement, en fait, on a
tout s'enchaîne. C'est pour ça que, bon, bah, j'ai même pas pris la peine de vous dicter le synopsis de cette seconde saison, parce que ça part littéralement dans tous les sens. Et que bah, ça part dans tous les sens. En deux épisodes, on ouvre une intrigue et le troisième, il la clôture. Enfin, c'est cette seconde saison est ni fait ni à refaire. Voilà, elle était quand même agréable à regarder. Eh ben, oh, on pour sait. Toi, bah, si. Moi j'ai peiné à m'y remettre, hein. J'ai peiné. Hein. C'est-à-dire qu'on avait, des débuts d'intrigue qui étaient quand même, qui valaient la peine d'être regardés, et puis finalement qu'on nous clôture d'une manière, mais brutalement, brusquement, sans aucune... Et puis alors qu'on aurait pu aller bien plus loin finalement, bien oui. plus loin. Donc voilà, j'espère qu'Amazon ne fera pas les mêmes conneries, surtout sur quand on sait sur quel projet ils sont actuellement. On est sur God of War, donc pareil, hein, exclusivité Sony PlayStation. On est sur Fallout, j'espère qu'ils vont y mettre du leur. Après, j'excuse dans le sens où Carnival Row était quand même une de leurs premières séries. Et c'est une création originale. Hein. Oui, mais quand bien même, tu peux être une création originale et puis justement pas le planter. Parce que c'est pour ça qu'on s'abonne à des plateformes telles que Netflix, Amazon, HBO, Warner ou autres. C'est par rapport à les exclusivités. Si les exclusivités sont pas correctes, on va se désabonner en fait, comme on a fait pour Netflix. Voilà, donc petit coup de mou un petit peu pour Amazon, j'espère que ça reviendra pas trop souvent, on excuse les erreurs de parcours, mais faites du vôtre, faites du vôtre. Mais bon, on arrive à se consoler avec d'autres séries, donc tant mieux. Oui, voilà, mais on attend toujours les prochaines séries Amazon, notamment God of War, qui pour l'instant, je suis même pas sûr qu'il soit parti en développement, mais en tout cas Fallout, qu'ils ont sorti déjà un premier teaser avec Stand By, etc. Voilà, il est maintenant l'heure de nous quitter et on va le faire sur un petit peu de musique. On va écouter Emma de Matmata, ici de leur premier album sorti en 98, on reste dans les années 90. Et on vous dit au revoir jusqu'au prochain numéro, donc le mois prochain. Je vous dis au revoir, Canaille vous dit au revoir, bye bye Canaille. Bah oui, bye bye. Bye bye, et puis passez un excellent dimanche. À bientôt. À bientôt. Et dire que ma journée est à peine entamée. Emma, tu m'as déjà scotché au canapé. Emma, t'es vraiment 10 fois plus belle que Tara. T'es bonne, Emma, il va bientôt claquer. Emma, t'es froide comme le carrelage de mes WC. Emma, t'es vraiment 1000 fois plus belle que Tara. Emma, 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 Emma. Et dire que pour toi j'aurais gâché ma santé. Emma, t'as même pas réussi à me soulager. Emma,